Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. On se retrouve avec Martin Lee qui nous a hypnotisés lors de l'intervention du vol du souffle du dragon. Il me semble que ça se nomme comme ça. C'est réel ou c'est dans ma tête? Ok, et là du coup il nous a amené dans notre cerveau et il nous offre une nouvelle perspective de voir les choses. Donc on va l'écouter. Sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe. Il était là à cause de toi. Il est où le mystère négatif, là? Je le vois plus, il est là-bas, non? Les Norman qui voulaient se servir de lui. Un réflexe futile. Et où était Norman pendant tout ce temps? Ouais, ça c'est Jefferson qui sauve tous les autres agents en se jetant sur le kamikaze. Il savait ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Il dit que c'est de la faute de Norman Osborn, c'est ça? Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclats pour le réveiller au grand jour. Enfile ce masque! Deviens l'un des nôtres! Merci, mais non merci! Merci, mais non merci! Tu vas me rejoindre! Oh non. Ok, ça va friter. On combat qui? On combat des Spider-Man négatifs, c'est ça? Que tu n'as pas pu sauver. Martin, vous avez leur sang sur vos mains. Tu peux arrêter Osborn. Tu as tellement de force. Je t'offre la détermination. Putain, il y en a même qui ont les épées. Ouais, je crois que c'est les Spider-Man négatifs, hein. Ils sont tombés comme des mouches. Et tu n'as pas bougé. Je crois qu'en un seul coup ils tombent, donc je vais pas me faire chier. Ouais, c'est ça, en un seul coup il tombe. Maintenant, est-ce qu'il m'en envoie des milliers? Et est-ce que je dois l'attaquer? Oh là là, il m'a défoncé. Est-ce qu'il disparaît sa force? Je peux rien faire avec lui. Putain, fait chier ce mystère négatif là. À genoux devant moi, je vais t'arracher et montrer ton vrai visage. Les ombres m'ont prêté allégeance, et je leur donnerai ma force. Oh con. Masque. Quoi? Détruire le masque! Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martin! Arrête! Je t'interdis! Ok, apparemment, il faut que je lance des masques. Sur le gros masque. C'est bon, c'est fait. Ah, il a pas réussi à me corrompre. On se casse. Ou alors je vais faire tomber le bus. Le camion, pardon.
C'est bien joué, Spidey, c'est bien joué. Ah putain, ils ont pris le produit. Ils ont pris le souffle du diable. Tout va bien ? Ça, c'est... Ils l'ont c'est le docteur Michaels. Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Plutôt, oui. Vous êtes populaire, dis donc. Où est le sérum ? Ils l'ont. Titiscoya. Bravo, le super. Ça a merdé, Silver. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute ? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux ? Pourquoi on m'a défoncé ? Vous devez prévenir Monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Allez, parfait. Yuri, nouvelle mission. On va d'abord écouter Yuri. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yuri. Je suis en route. Ok, c'est parti. Alors, on va utiliser le déplacement rapide, bien sûr. Pourquoi ça en privé ? Vous avez vu que là, le paysage était monstrueux. Hein. Franchement, bah, chapeau. Hein. Ah putain, je l'aime bien celui-là aussi. Il discute avec un imposteur, j'ai envie de dire. Ok, allez, je suis c'est parti. Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yuri. Je suis en route. Alors, ça y est, j'arrive sur la voiture. Spider-Man. Oh non. De souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ ? Ok, on est dans la merde. On est dans la merde. Tout simplement. Ok, on arrive où ? C'est Grande Centrale, ça, il me semble. D'après Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici ? C'est bien ça. On est à Grande Centrale, c'est la gare... En gros, c'est la gare Saint-Charles à Marseille ou la gare Montparnasse ou la gare de Lyon pour Paris, comme vous voulez. Alors, où je dois aller ? Je dois prendre un billet ? On va prendre un billet. Non. Sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par ondes sonores. Dans quelques mois, vous pourrez acheter un téléphone. Faut que je trouve le fugitif. Examiner les présentoirs Oscorp. Ah, je pouvais examiner là. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp. Non. Travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie. Il y en a d'autres que je peux examiner, oui. On va essayer quoi ? De récupérer des empreintes ou quelque chose ? Pars-toi du milieu, toi ! Qu'est-ce que tu fais ta mendiante ? Chiffrez vos données avec l'encodeur Cerber d'Oscorp, le seul algorithme du monde mathématiquement prouvé inviolable. Inviolable ! Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche. Je peux rien faire. Un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par ondes sonores. Examiner les présentoirs. La gamme de munitions
intelligente brevetée Oscorp, équipée de capteurs. Mettre des munitions comme ça dans la gare. On va essayer l'autre. On va essayer celui-là. Est-ce que c'est le même ? Le MED, non, c'est pas le même. L'évaluation médicale d'Oscorp permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers du globe. C'est bon. On peut aller au bout. Je pense qu'il y a d'autres présentoirs. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des... Ah, je crois qu'on est bon. Oh putain, Martin Lee. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Ah mais c'est sûr qu'elle allait pas se... Elle allait pas se laisser faire. Oh con. Mais carrément, il laisse le truc dans la gare. Même pas si c'est une réplique ou quelque chose. Ah, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Vraiment, tu mets une réplique dans la gare. Les mecs, ils vont se servir comme ça tout seuls. Monsieur Osborne. Qui le demande ? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous ? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Ou vous aurez plus de sang sur les mains. Ah oh putain, le fou. Il va diffuser le souffle du diable dans tout New York à l'aide de ce propagateur. Ah ouais. Grande Centrale, met ton plus beau costume. Mot de code pour venir en Spider-Man. MJ, je suis en route là. T'es blessé ? Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare ? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fiches le camp ! Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mental. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose ? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien ? S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Alors, est-ce qu'il y a une sortie qui craint rien ? Pour Spidey, on va le renseigner. Ah, c'est peut-être là-haut. À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Eh ben V, il est là. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi ? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper ? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Alors, on va demander la diversion, mais où ? Sur le truc là-bas. Okay. Je suis prête. Attention ! Ok. Donc, les gardes se déplacent. Je peux y aller ou pas ? Putain, fallait que je me lève. Je peux pas me déplacer, putain. Mais comment je fais ? Y a que du monde autour de moi. Comment tu veux que je fasse ? Ah si, je pouvais, putain. Allez, on se laisse ici pour cet épisode. On se donne rendez-vous dans le prochain. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro.